Alors Didier, retour, ressenti sur cette journée, et qu'est-ce que ça ouvre finalement comme perspective ? Ressenti très intéressant, beaucoup d'intervenants, hein, très riche en fait, on n'a pas eu de temps de repos pratiquement, hein, on n'a pas eu de temps vraiment d'ennui, hein, au contraire, hein, ça s'est très bien complété aussi, hein, entre les expériences qui étaient variées, hein, et puis finalisé par effectivement, je veux dire, le monstre d'Orléans, hein, qu'on est en train de construire, hein, je vais quand même plaider pour Orléans. On va dire un complexe complexe. Qui est quand même une très belle opération. Remercier bien sûr les intervenants, remercier les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans la salle, remercier les personnes qui sont présentes en distanciel, hein, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a certains sujets qu'on peut compléter, hein, on l'a bien vu avec la partie juridique, on l'a bien vu avec certaines données qui peuvent être revues, complétées au niveau de tous les sujets d'ailleurs. Hein, hein. Il y a encore bien sûr à travailler sur ce sujet BIM. On peut continuer. Et on a vu des sujets finalement de discussion qui ont été ouverts aujourd'hui, qui ont vocation peut-être à se poursuivre demain, et pourquoi pas ici en région centre. Il y a des portes qui ont été ouvertes et on peut encore continuer le couloir assez loin. Hein, dans toutes les discussions du BIM. Merci beaucoup en tout cas Didier de l'accueil ici, hein, au nom de la fédération de Synov Centre. Hein, voilà. Pour nous, cette journée se termine, mais l'Eurex BIM Tour continue, notamment cette étape. Vous pourrez en retrouver tout le contenu en ligne. Mais dans un premier temps, les prochaines dates du Eurex BIM Tour, c'est le 12 octobre à Dijon, en présentiel, également en live stream. On se retrouve également à Rouen, en Normandie, le 9 novembre, donc pour parler notamment de l'impact du BIM et des enjeux du BIM sur la notion de coût global, de rentabilité d'une opération, un sujet bien, bien spécifique aussi aujourd'hui, Didier. Le 9 novembre et le 7 décembre, cette année se terminera par une étape dans les Hauts-de-France à Lille. Donc rendez-vous, prenez note sur vos agendas, rendez-vous sur place si vous êtes tout prêt ou connectez-vous à ce moment-là. Dernière information, hop, je reprends la manette. Le Eurex BIM Tour, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des étapes précédentes sur le site www.rexbimtour.fr. Vous y retrouverez les restitutions des témoignages, des vidéos également, des personnes, de tous les retours d'expérience qui ont été faits depuis le début de ce Eurex BIM Tour. Le programme, évidemment, que je viens de vous présenter des prochaines dates en 2021. Et aussi, je vais vous présenter un support. Je sors du champ de caméra une seconde. Vous retrouvez, excusez-moi pour ce petit décrochage, vous retrouvez aussi sur le site, alors un support qui existe au format papier, mais que vous pouvez évidemment télécharger sur le site, ce qu'on appelle le Rex du Rex. Il s'agit tout simplement de la synthèse. Chaque année, Synov fait une synthèse complète de toutes les étapes du Rex BIM Tour, que vous pourrez retrouver à télécharger gratuitement sur le site, évidemment, du Rex BIM Tour. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci aussi aux personnes qui ont pu témoigner aujourd'hui, aux personnes qui sont venues assister à ces échanges. Bonne fin de journée, à très bientôt et puis à bientôt pour les prochaines étapes du Eurex BIM Tour. Au revoir.